venez. Je désigne une cible. Gaffe aux civils à côté. Attends, tu vas te faire griller. Je déploie le drone. Je viens d'en voir un avec des pistolets mitrailleurs. Il y a un sniper là-bas. Je vais me trouver une ligne de tir. J'ai aligné la cible. Cible perdue, je répète, cible perdue. Cible repérée, quand tu veux. Pour que je trouve une meilleure position. J'ai perdu le visuel. Compris, je l'ai dans le viseur. J'ai perdu ma cible. Ils vont te repérer, recule. On arrive à 5. J'ai un sicario par là, à côté de la pile de pneus. Je l'ai aligné. J'ai perdu la cible. Cible repérée. Tu vas te faire griller. Recule. J'ai plus la cible en visuel. T'as 5 secondes pour me dire ce que je veux savoir. Calme-toi, je vais parler. Ça va nous mâcher le travail de détruire cet avion cargo du cartel. Ou alors, et si au lieu de le faire sauter, on le détournait pour le filer à nos amis les rebelles? Tire libre, tire libre. On est en train de se faire sniper. Perico n'est pas là. Essayez au moins de trouver des intels.
On a trouvé un plan de je sais pas trop quoi, une antenne fractale peut-être. Si notre bon vieux DJ Perico utilise cette antenne pour émettre, l'ISA pourra peut-être le localiser grâce à ce schéma. Bonne nouvelle. Grâce au schéma que vous avez trouvé et au scan, nous avons confirmé que Perico se servait d'un programme de vivacité de fréquence simple pour chiffrer le signal. Mais pour que Pac Qatari puisse utiliser ce signal, il nous faut encore la clé cryptographique. Ok. On peut vous transmettre les coordonnées approximatives de Perico. À vous d'aller lui prendre la clé cryptographique. Bowman transmet le profil de DJ Perico. DJ Perico, le perroquet. Son rêve dans la vie, c'était de devenir DJ de mixtape. Donc en gros, être payé à gueuler par-dessus la zig de quelqu'un d'autre. DJ Perico! Heureusement pour la musique, la vie en a décidé autrement. Dealer à 13 ans, inculpé pour trafic de crack à 14, tentative de meurtre à 15. Plutôt que d'aller mariner en zonzon, il s'est enfui au Mexique. Un de ses cousins bossait pour la Santa Blanca, du coup il est devenu sicario. Porte-flingue. Sauf que si la Santa Blanca avait épluché son dossier, elle aurait vu qu'il était recherché seulement pour tentative de meurtre. Il avait réussi à rater deux types à la vente à 4x4. Non mais vous imaginez le guignol? Tôt ou tard, ce type aurait fini par se mettre à dos tous les membres du cartel sans exception et retourner aux États-Unis les pieds devant. À un détail près, El Sueño l'avait à la bonne. Il trouvait Perico amusant. Le type était pas foutu de tirer droit, mais il avait la tchatche. Résultat... Good morning, Bolivia! El Sueño lui a trouvé un rôle, la radio pirate, la propagande. Prêcher la bonne parole et l'avènement de la Santa Blanca. Belle journée pour la cocaïne! Comme tous les jours, j'ai envie de dire. Big up à mes potes de Pucara qui préparent la dernière demeure d'El Sueño. Pas la peine de trop vous presser, d'accord les gars? Ça, il sait faire, DJ Perico. Comme quoi, tout le monde trouve sa place dans la vie. On a l'emplacement de Perico. Chopez-moi ce petit con et faites-lui cracher sa clé cryptographique. On va transformer sa radio libre en radio Bolivie libre. Allez, en route. Qu'est-ce que vous attendez, carnales?